Nous sommes avec Malcolm X, artiste centrafricain, qui nous fait le décalé baga. Coupé décalé baga, est-ce que vous savez ce que c'est? Moi non. Il va nous expliquer tout de suite ce que c'est. Bonsoir Malcolm. Bonsoir. Pour expliquer, je vais remercier d'abord mon producteur Yvon Kamach. Oui. Un bon homme d'affaires à Bangui. Donc il m'a beaucoup aidé dans la musique centrafricaine. Donc je fais le coupé décalé baga parce que tout à l'heure je dis au radio là-bas, Radio Toulouse. Il fait le couper décalé bagarre parce que je l'aime bien couper décalé bagarre, tu vois. Comme je disais tout à l'heure, les Ivoiriens, ils sont coupés décalé, chinois, Wolof, tout ça, tous les gens. Donc je suis obligé pour sortir couper décalé bagarre. Donc j'ai commencé la musique depuis 2009. C'est dans la musique, j'ai essayé à gauche à droite pour bouger un peu, pour mettre le centrafricain en valeur, pour le musique centrafricain quoi. Donc je sais pas, mais je suis là. Il y a le boulot encore, je vais bosser plus. Donc il y a un niveau, ça va sortir bientôt. Mais grâce à Yvon Kamach, mon producteur, il m'a beaucoup aidé, je répète encore deux fois. Donc grâce aussi à mon grand frère Faya, il m'a composé le morceau à mon ingénieur Orphée. Depuis, il a Lumumbashi. Donc j'ai bossé avec... quand tous les stars ils arrivent à Montpellier, c'est moi qui fais la première partie. J'ai fait la première partie de Tontine Katino. Et puis j'ai fait la première partie de Fally Poupa à Montpellier. On va dire quand même un bon artiste de l'Afrique quand même tu es. D'où le fait que tu aies choisi le coupé décalé parce que tu expliquais qu'en Centrafrique, il n'y a pas vraiment un rythme qui émerge par rapport à l'autre. Et comme tu étais fan de coupé décalé, tu as initié le coupé décalé bagarre. Hein, c'est ça. Parce que, c'est pas que quand je dis je kiffais beaucoup Duxaga, oui. Mais c'est mon grand, je respecte. C'est lui qui m'a donné l'inspiration pour chanter coupé décalé bagarre. D'accord. Donc c'est mon grand hommage avec mon vieux Duxaga. Franchement, je respecte beaucoup. Par rapport à lui, je chante coupé décalé bagarre. C'est ça. D'accord. Très connu déjà à Montpellier. Je sais qu'il y a des gens qui adhèrent à ce nouveau rythme et bientôt une tournée en Afrique. Bientôt, parce qu'Yvon Kamach il va m'inviter à Cameroun. Oui. Et puis je vais partir à Cameroun, je fais deux semaines à Cameroun. Je vais partir à Centrafrique, faire ma promotion. Et puis grâce aussi à mon grand frère Saint-James à Montpellier, oui. C'est un Camerounais. Il m'a beaucoup aidé aussi, c'est mon manager. Donc il m'a beaucoup aidé, c'est un Camerounais. Je bosse pas beaucoup avec les Centrafricains. Oui. Je bosse beaucoup avec les étrangers, oui. Le Camerounais, le Gabonais. Oui. Et puis je remercie beaucoup aussi mon grand frère Oncle Donatus. Chaque fois, il est là pour moi. Donc, et c'est que je veux c'est que la musique, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Et puis quand on aime ça... La musique, c'est comme un loto, quoi. Aujourd'hui, quand tu joues le loto, un jour, tu peux gagner le loto. Donc, je fais un morceau, c'est sur YouTube. Oui. Coupé, décalé, baga, Laguna, Conseil, Yaya. Ça a bien marché, tout le monde l'a aimé. Mais aujourd'hui, Yvon Kamach, il est venu pour m'aider, pour m'épauler, pour avancer. Donc, je sais que je fais confiance avec lui. C'est mon vieux, je respecte. Il faut comment je suis ensemble, c'est mon producteur. Merci. Je suis en train de me dire, le coupé décalé, ça nous rappelle un peu un côté très festif. Est-ce qu'il y a des thèmes abordés dans le coupé décalé bagarre ou alors ça reste festif? Mais le thème, quand je fais coupé décalé, parce que je vais t'expliquer, parce que coupé décalé bagarre, Laguna, tu vois, je parle de Laguna. Quand les gens ils quittent l'Afrique pour venir en France, ils arrivent, il faut chercher le papier. Donc je dis à mon langue, je dis, quand tu quittes Bangui, tu arrives en France, tu vas trouver quelqu'un, il est français. Quand tu as ton papier, tu roules avec Laguna. Laguna 1, Laguna 2. Okay. Donc je dis à Molong, Molondo na bangi, Mosi na poto, Kengbanagbeti. Quand je dis Kengbanagbeti, moi ça veut dire que fais attention à toi pour avoir. Voilà. Donc c'est parce que c'est un peu dur ici. C'est comme mon histoire aussi. J'ai arrivé pour avoir mon papier. C'est grâce à ça. Donc je réfléchis, je fais le Laguna. Hey!
cas, merci pour cet entretien. C'est vrai que c'est une découverte et c'est quelque chose de très, très bien. On adhère et on encourage. Nougat TV encourage. Hein. Donc, on vous invite à découvrir Malcolm X. N'hésitez pas à regarder ses vidéos sur YouTube. Et bien sûr, pour des concerts et des dates, qu'est-ce qu'on peut contacter ou est-ce que pour l'instant, ce n'est pas mis en place hein? C'est bien en place. Vous contactez, tu vois, Christian, il m'a invité. Donc, contactez Christian. Quand vous voulez me voir, vous contactez Christian. Mon producteur, il n'habite pas en France, il habite à l'Afrique. Donc, c'est un peu compliqué. Le produit, c'est sorti, mais ça va sortir à l'Afrique. Pour moi, c'est pas, je n'ai pas décidé. Je n'ai pas dit oui, tout ça, tu vois. C'est un peu compliqué. Donc, vous continuez d'en parler. D'être curieux de cet artiste centrafricain qui chante la musique d'Afrique de l'Ouest pour la ramener en Afrique centrale. C'est génial. Mais je remercie l'ancien, le centrafricain, mon grand frère Bébé Mato à Paris. Mon grand gaucher, c'est un grand musicien centrafricain, Tontine Loni Kangala, donc c'est le grand chanteuse centrafricaine. Votre petit frère Malcolm X, il est là, coupé, décalé, bagarre à bientôt. N'oubliez pas, Laguna 40, ce soir ça va tuer ici. Excellent. Merci, à bientôt. Merci.